Et bonjour, donc pour cette vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo de spéléo. Donc on va aller faire la pomme des anges dans le défilé de Donzère à Montélimar. Donc le défilé de Donzère, c'est une grosse falaise où le Rhône l'a creusé avec amour. Et donc la pomme des anges, c'est un gros trou dedans où on y va souvent. Et donc aujourd'hui c'est la rentrée, on va dire, 2022-2023 de la spéléo. Ça a fait pas mal de canyons, mais ça y est là. 10 degrés, de la flotte, gris tout le week-end, donc il est temps de se mettre sous terre. Donc là la première étape, c'est d'aller choper le covoiturage à l'autoroute. Et après direction le nord, c'est le nord. Et bien voilà, le covoiturage il est là, et donc on monte dans le nord extrême, dans le nord à Montélimar. Et après de Montélimar, on ira dans le défilé du Donzère, plus précisément au pont du Robinet. Ah mais non, on va au-dessus, parce qu'en fait on passe pas par la Bombe des Anges, on va passer par le dessus de la falaise qui s'appelle le Puy Saint-Vincent. Mais bon, il fait gris, et c'est l'hiver. C'est l'automne. Ouais, l'hiver. Il n'y a plus de saison, ma bombe, il n'y a plus de saison. Et voilà, donc on est au Puy Saint-Vincent, on s'équipe, on se prépare. C'est important, mais bon. Et on range les voitures. On sème. On quoi? On sème. On sème, voilà. On est sur YouTube, donc... Oui, c'est vrai. Il y a toujours des trucs que j'arrive pas à dire sur... Oh, il y a eu un filet de bave sur ma ligne. Ça arrive. Donc voilà, on est bientôt prêt. On met notre culotte ou on met pas notre culotte? Notre culotte de canyon. Je vous laisse, je dois aider les débutants là. Donc nous voici à l'entrée du Puy Saint-Vincent, où nous allons commencer l'équipement. Donc... L'attribut des rouges et bleus. Donc on part sur un 8. Je vais le faire là. Reste un nœud là, tu sais. Ouais, c'est normal. C'est pour ça que c'est parce qu'il est tissé. Ah ok. Ah, tu en fais un deuxième dedans en fait. Parce que sinon justement je peux pas le mettre dans la. Okay. Je peux pas le mettre dans la boucle en fait. Il est beau ce nœud. Un nœud de 8, exactement pareil, sauf que bah, voilà, je tisse dans le 8 que j'ai fait, le premier 8. Idem, on tire toujours sur les 4 brins. Voilà. On va aller dessous. Donc nous voici en direct avec un spéléo anonyme que nous appellerons Arnal. Mais foutez-lui la paix. On met une seule longe. Ah non, tu mets deux longes. Moi si j'étais toi, je mettrais trois longes. Tu mets deux longes. Eh oh, démarrant, j'y vais pas. Ou quatre longes. Des merdes, tu mets deux longes. Ah, oh, c'est bien à voir. Allez, encore un petit peu plus loin. Allez, tu peux le faire. Vas-y, soupe dans le psoas. Tu vois, ouais, non ouais. Oui. Ah. Oh. Ça fait mal au dos. C'est qu'au dos. Là, t'es très très attaché. Là, là t'es vraiment beaucoup attaché. Voilà.
Ah, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Je vais y aller, moi, je vais. Allez-vous d'accord. Tu m'as dit que c'était Lyon, Charlotte. Tu m'as dit que c'était un truc. Elle a dit que c'était Lyon ou pas? Soulève la corde, on voit si elle a un poids dessus. Et là, il va remonter Charlotte. Putain, merde, mais laisse-moi en bas. Il est en train de faire ma clé, putain. Je pense que c'est... ça a l'air libre. Cri libre. Non. Non, mais elle a dit que tu pouvais descendre, donc tu descends. Ouais, je pense que c'est libre. Mais tu l'aurais pas dit, parce que sinon, si elle était encore sur cette corde, ça serait tendu. Sinon, tu vas l'entendre gueuler avec ce À vous, Cognac. Donc, nous voici en bas du puits Saint-Vincent. Et on va vers la salle rouge. Moi j'envoie des Alors, cailloux. Même remarque que ouais, moi j'envoie des cailloux dans sa gueule. Ouais, bah tu vas te calmer. Hein. Les cailloux, c'est ma vie. C'est ça. Life is caillou. Na-na-na-na. C'est ça, ouais. Et ma main dans ta gueule. Et c'est pas ma vie. Ouais, bah ça pourrait l'être. Hein. Non, c'est pas vrai. Mais t'es pas ma vraie mère. Ta gueule. Tu peux pas m'en donner d'or. Ta gueule. Oui, alors mon âme. Voilà, donc Rita de la Tourette, on est bien d'accord. Voilà, c'est la sacrée de Touretti. Voilà. Ah ouais, tu l'accroches bien comme derrière moi. Donc voilà, là on arrive à un point bas qu'on appellera le point bas. Et donc devant moi il y a Fanny. Donc Fanny, elle est au club depuis 5 ans et vous propose une danse autour du poteau en inox le mardi soir et jeudi soir. Rita, pourquoi t'avances pas? Bon, vous voyez rien là, hein? on voit rien comme ça. Ah si, on voit un peu là, voilà. Je vais essayer de vous faire voir les trois tures. Abonnez-vous pour d'autres sets, c'est ça? Voilà. Bon, là devant nous, on a Fanny qui transpire encore le rosé. Du rouge. Ah merde, alors qui transpire du rouge. La spéléo, ça dessoule, mais ça prend un certain temps. Voilà, donc je pense que ça va bien faire une vidéo longue de 30 minutes sur les pieds de Fanny. Alors, voilà. Pourquoi c'est bouché? Donc voilà. Bon, je vais couper parce que là, ça fera 200 millions d'années là qu'on filme. Bon, bah, c'est parti. Et voilà, vous voyez un peu les trois tures avec Fanny et Rita devant moi. Je sais pas si vous voyez. Bon là ça s'élargit un petit peu. Là c'est confort là. Là on arrive dans la grande salle. Donc là, Fanny est dans la grande salle. On va s'arrêter là pour manger. Ah. Pour se restaurer. On est bien là pour bouffer. On est nickel. On est plutôt cosy. Bon, ben voilà, ça avance bien. Je sais pas si vous le verrez derrière moi, Arnaud. Voilà, je sais pas si on le verra. Oh là, on voit qu'une lumière. Et là, Fanny, tranquille ou bilou. Bon, après, c'est une étroiture, elle est vraiment pas longue. Ça fait un petit tube là, comme ça, de 5 mètres avec un fond lisse, spécial pour glisser. Allez, et maintenant que Fanny a fini, ben, c'est à notre tour. Ah, voilà. Et là, ça tourne à droite. Un petit point bas.
et ça va s'ouvrir sur une petite salle. Voilà. Ah. Et là après derrière, une toute petite étroiture. Et on arrive dans un réseau plus grand. Alors, est-ce que Rita va passer le haut pour l'instant? Est-ce que le bas va passer? Heureusement qu'on n'a pas mis notre culotte. Oui. Ah pardon, on n'est pas sans bon. Donc toi tu fais de la spélo sans culotte. Fanny D. Non. Arnaud donc il sort de l'étroiture. C'est un Arnaud. C'est un fameux Arnaud, fin comme un oiseau. C'est haut. C'est un fameux Arnaud. Quatre poils et deux taureaux. Ah bah donne-le moi, laisse-le. Ah tu l'as accroché. Et donc après la suite c'est là à droite. Donc tu prends ça. Oui. Donc toujours dans notre petite progression, nous arrivons en haut de la salle d'eau et on attaque la petite main courante qui nous mènera dans un joli réseau. Devant moi là-bas, c'est Rita. On ne voit pas à contre-jour. Hein. Une chaîne de 1917 dans son jus. Magnifique. Ça n'a pas bougé. Ah. Après en bas, on a Fanny avec sa mucoviscidose. Tu peux y aller, Fanny, c'est libre. Et là, on a Charlotte. Attends, en fait, j'ai fait de la merde. Tranquillou bilou. Voilà. Et moi j'ai mon nouveau basique qui monte plus vite que la lumière. Et nous voici au fond du puits. Donc pour vous ça change rien. Mais pour nous c'est cool. Voilà donc Arnaud qui est équipé. Arnaud, comment c'était? Bien. Voilà. Donc voilà, après la suite ça va être là-bas. Et puis voilà, on attend les copains au fond du puits. Alors écoutez bien, ou je prends un ça va ou je prends ta gueule. Rita, ça va? Oh, j'ai pas pris de ta gueule. Abonnez-vous pour d'autres recettes. Donc vous voici en direct de la descente de Rita. Donc là on a vraiment la position académique de la descente en rappel. Alors, je tiens à rassurer mes chers téléspectateurs, je ne filme pas en slow motion, c'est sa vitesse réelle. Oh putain, quelle saloperie ce mec! Il dit de la merde sur moi. Et il filme en plus. Comme il s'est dit, c'est qui va te faire dans la salle. Arnaud, Arnaud. Oh ouais, si tu peux éclairer Rita, c'est cool. Mais quel est donc ce nœud très étrange? Voilà. Ouh là là! Donc on part bien sûr sur une clé demi-clé quoi! Hein? On va partir sur des bases. Recherche de longe. Regardez bien. Décrochage de la double longe. Et là. Non, non, vas-y, tire sur ton bras, tire sur ton bras. Hein? Tire sur ton bras, pendu. Mais d'abord la longue. Comme tu veux. Mais tire à fond, allez, vas-y. Allez, décolle tes pieds. Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Oui. Oui, non. Oui, peut-être. Ah, tiens. Longe, longue, double oreille. Et c'est parti pour la longe courte. On va voir si elle va y arriver. Les téléspectateurs sont en haleine. Lâchez un j'aime pour qu'elle tombe. Et elle s'est longée. Va-t-elle arriver à défaire son descendeur? Et toi tu vas arriver à fermer ta gueule. Oui, elle a Rita de la Tourette, excusez-la encore. Elle contrôle pas trop ses émotions linguistiques. Donc, ah,
C'est ça. Oh, va-t-elle tomber dans le piège subterfugeux? Un piège? Laisse faire. Parce qu'elle préfère. Oh là là. Je crois que les téléspectateurs sont en haleine. Ils vont assister au passage fractio complet de Rita. Alors là, il y a des sangs. Mais j'ai l'impression qu'elle se suspend de tout son poids sur ses longes. Bah non. Sur la courte, bien je vais mettre sur la courte, sinon comment je défais mon crawl? Ah je sais pas, moi je suis pas de la région encore. Comment je défais mon... Bah si, non. Peut-être. On sait pas. C'est les deux gros cons. Là, descends dans ton descendeur, vas-y encore. Oui, deux fois, encore. Deux fois, et voilà, elle vient de trouver la solution. Il fallait. C'est pas, c'est pas ah, et on a dû lui donner la solution. Arnaud, tu es d'accord avec moi? Et on, voilà, on a. Oh là 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 là. Donc là, elle défait son descendeur. Montez sur mousqueton fréneau. Elle vient de passer délicatement la corde du fractio derrière son dos. Va-t-elle prendre la corde d'en bas? C'est le sus, c'est le... Oui! Elle prend la bonne corde, on est pas mal. Alors, restez bien en haleine parce que vous allez avoir le décroché de longe. Là, ça... Ah, alors en fait, Rita, elle a une bonne faculté de remonter sur corde au descendeur, donc autant elle va nous la faire, là. Regardez bien. Quoi? Non, elle part directement sur une clé. Donc là, elle a une clé. Et donc là, elle doit se délonger. Donc là, vous ne le voyez pas, elle est de dos, mais longe longue, ça va bien se passer. Regardez bien. Oh, ça sent la traction bras. Non, ah, allez, voilà. On va faire la technique là. Oui, la technique de la pédale. Alors, comment tu fais la technique de la pédale? Explique à tous mes followers. Déjà, j'essaie de ne pas faire tomber... La pédale. Oh, si la pédale elle tombe, ça ne sortira pas de Facebook. Alors déjà, séparation de la poignée de la pédale. C'est ça. On est beau sur mousqueton doré jaune. Installation. Ouais, là c'est pas mal. De la pédale. Oh là, on est bon, on est sur de l'académique, hein. Ah, un petit psoas de pliage, voilà. Oui, un peu. Ah, ça commence. Attention, est-ce que ça va délonger là? Non, oui. Ah, ah, échec. Non. Ah, non, ah, c'est trop. Voilà. C'est trop. Donc là, on dirait pas, mais il y en a deux en haut qui attendaient. Ne... Ah, c'est pas la dernière, Rita. Hiloulilula. Hein. Donc, après mes réflexions, je vais me raccrocher au même endroit. Oui, oui. Oui. Non, en fait, il faut que je remonte plus sur le descendeur, non? Ben là, tu sais quoi, tu quiches sur ton pied, tu délonges et tu descends. Hein. Bah, c'est ce que je savais faire. Hein. Mais là, quiche. Mais là, tu forces pas sur ton pied à la hauteur de ton bassin. Deux secondes. Un, deux. Parce que je veux d'abord enlever la... Vas-y, vas-y, là, défais tout, là, vas-y. Mais je peux pas, là, j'ai deux mains qui me tiennent. Mais une suffit. C'est pour ça qu'il faut peut-être que je remonte. Mets ta poignée sur l'autre corde et la pédale, comme ça, elle sera plus basse. La poignée sur le corps. Tu peux mettre la poignée sur une des oreilles. Ah. Oula, tu arrives pas là? Voilà. Ouais, mais du coup, après, c'est pareil, faut que je change. Ah oui, non, mais c'est. Non, mais c'est après, ça sera bon. Ouais. Allez, regardez, attention, ça va pousser, ça va délonger. Ouais, parce qu'elles sont dans le même sens, ça va être pince un peu là. Fais vite, j'ai plus de batterie là. Hein. Ça fait 5 heures que je filme en 4K là. Ah! Ah là 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 là! Il était beau ce mouvement! Voilà. Ah, ah, on en est où? Combien de longes ont été détachées, chers téléspectateurs? Eh bien, zéro! Zéro! Ah là 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 là! Je vais sauter et faire un amorti, genou. On part sur une poignée. C'est ça. Là, on fait version poignée, on reconnecte. Et effectivement, la pédale était trop haute. On part sur la pédale, attention. Est-ce que ça va délonger là?
Alors, moi je ne vois rien vu d'ici, hein. Voilà, voilà. C'est surtout le fait de mettre le long au même endroit, je pense. Bon, t'es super sécu, mais c'est chiant à défaire. C'est chiant à défaire. Bon. Attends, c'est pas bon. Je suis coincé au patio en fait. Ouais, ouais, ouais. Attends, attends, attends. Bouge pas. Oui, oui, oui. Regardez bien. Une longe. Une longe. La deuxième devrait. Oui. La deuxième devrait arriver. Oui, deuxième longe. Et ça vient se poser sur le descendeur. Et c'était pas mal. C'était pas mal. J'irai jusqu'à bien. Repositionnement de la pédale. Je crois qu'on a perdu tous nos téléspectateurs qui se sont endormis sur le canapé et qui bavent. Et là, on enlève la clé. Tu tiens ta clé là? Ok. Voilà. Une sous-cutelle, tu veux... Libre! Voilà, oui. Donc la sous-cutelle se porte très haut cette année. C'est une sous-dorsale. Et voilà, vous allez voir Rita toucher le fond depuis le temps qu'on lui dit. 4, 3, 2, 1, elle a touché le fond. Ça, c'est de la technique de ce Et maintenant, à Charlotte. Libre! Tout libre! Alors j'arrive au sombrero. Je vais vous faire voir des photos. C'est une vidéo. Je sais pas si ça suffira la lumière. Allez, une petite vue de Arnaud qui arrive au sombrero. Séquence, émotion. La corde, c'est juste de la 19 glaise. Pourquoi je fais ça? Ils sont où les... Derrière toi. Il faut encore monter encore en ligne de mètre. Oh mon cul. Putain, mais tu transpires. Je pète la forme. Là, je viens de remonter un PC-1000. En quoi, 8 minutes, là, je pars. Le premier P20, P30, combien c'est ça? P20, je crois, non? Allez, on va dire P30, ça P40. Fait... P40. P40 au carré. P40 au carré, racine carrée, abonnez-vous. Non, alors, Charlotte est partie devant. Fanny est juste à côté de moi. Moi, je viens de remonter et en bas, il reste Rita et Arnaud. Et voilà, qui sont allés voir le sombrero. Moi, j'ai essayé de faire de l'alternatif. J'y arrive très mal, mais j'y arrive. Mal, mal, mais j'y arrive, mais mal. Et après, je vais vous faire voir Fanny. Vous la voyez pas, vous la voyez pas, vous la voyez pas, vous la voyez. Elle fait la sieste, elle fait pas la sieste. Moi aussi, je fais de l'alternative, mais pas dans le même domaine. Oui, toi, c'est plutôt un coup rouge, un coup blanc, un coup rouge, un coup blanc, quoi. C'est dingue, c'est un entraînement de dingue. Je sais que c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Ah ben non, ça c'est. Ouais. Voilà. Travail de longue haleine. Et donc après on descendra et on remontera le puits Saint-Vincent qui nous amènera une bouteille de Saint-Joseph. Voilà. Et pas de Saint-François. Non, Saint-Joseph. Oui. Voilà, voilà. Bisous, bisous, la commu. Oh putain.
Et voilà, pour vous ça fait 10 secondes, mais nous ça fait une petite demi-heure qu'on est remonté du fond. Donc voilà, orifice de sortie à 15 mètres au-dessus. Avec mon beau basique. Je suis prêt, j'attends Rita à l'opposition. Tranquille ou bilou. Elle est là-bas en bas. Et voilà. Apparemment, bon, vous ne voyez pas, mais là-haut il y a du ciel bleu. Donc il fait beau et on est bien sous la terre. C'est la fin. Donc là, le puits Saint-Vincent, il reste Arnaud et Rita qui déséquipent. Nous, c'est fini. Oui, c'est fini. Oui. Donc on va aller se. Parce qu'on sent. Mauvais. Mauvais. On sent mauvais. Oui, oui, oui. Je suis rousse. Et moi, je suis excité. C'est qui fait qu'on sent mauvais c'est moche, hein. Voilà, donc on dit au revoir à Fanny qui s'en va. Allez. Et puis ça sera la fin de la vidéo, quoi. Avec ton départ dans la nature. C'est le clap de fin. Non, il faut que tu partes en gabandant comme une Perrette dans les petits bois. Vas-y, fais voir. Ouah, regardez, il y a Perrette et son pot de bridélis qui se casse. Voilà, abonnez-vous pour plus d'aventures. Elle est partie. Elle ne reviendra plus.